Rossini était l'un des plus parisiens des musiciens italiens. Mais il y a un autre compositeur italien qui aimait bien vivre en France et qui écrivait même quelquefois sa musique en paroles françaises. Vous voyez comme quoi l'Autrichien Mozart écrivait ses opéras en italien. Eh bien, Donizetti, de temps en temps, il a écrit en français, surtout sur des ouvrages dits légers, mais c'est léger simplement parce que les sujets sont très faciles à aborder, mais la musique derrière est parfois bien compliquée et redoutable pour les chanteurs, et particulièrement pour les ténors. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Vincent Morel qui est venu nous rejoindre pour chanter l'air de Donizetti à mes amis. Donc, Donizetti, extrait de La fille du régiment, voilà, dont il est évidemment éperdument amoureux, ça ne m'étonne pas. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend un héros. À quel bonheur, oui mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux. Oui, sœur, pour qui je respire, à mes voeux à daigner sourire, et ce joux espoir de bonheur trouble ma maison et mon cœur. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher sous vos drapeaux, je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux.
on va inverser. On a eu des paroles françaises, des français, du français avec des compositeurs étrangers. Là, on va faire l'inverse. Et c'est un grand personnage qui s'appelle Monsieur Goethe, qui est né en 1749. Je m'en souviens parce que c'était 200 ans avant moi. Jour pour jour. Alors, en 1749, Monsieur Goethe, qui a une influence énorme sur beaucoup de gens, des philosophes, mais aussi beaucoup des musiciens, et particulièrement Beethoven, en disant qu'effectivement, Goethe a aussi fait un autre texte formidable, c'est Werther, par M. Massenet, mais aussi Faust. Et ce Faust a été pris par Gounod pour faire tout ce qu'on connaît de Faust, hein, c'est-à-dire beaucoup de passages formidables de chœurs, de chants, et particulièrement dans les chants. Un qui va faire plaisir à tous les tintinophiles de la scène, c'est ce qui est chanté par la grande diva Madame Castafiore, et c'est « Ah, je ris que de vous voir si belle en ce miroir ». Voilà, alors Naoko Matsui a eu la gentillesse de vous proposer cette pièce. Donc voici extrait du Faust de Gounod, « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir » avec Naoko Matsui.
Eh bien, revenons après cette petite promenade en dehors de Rossini. Revenons pour terminer cette première partie avec Rossini, Barbier de Séville. Ah bien, alors nous allons avoir l'ensemble de la troupe, c'est-à-dire nos trois solistes qui vont venir nous chanter ce trio final du total. J'avais dit les trois, mais vous savez, vous connaissez Figaro, hein? Où se cache-t-il? Ça, je ne sais pas, mais enfin, on verra. On commence toujours, et ça le fera venir. Oh,
Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, resta già proprio di qua. Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto di qua. Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.